Et salut les amis douces et les amis doux, nous sommes le dimanche 28 mai, jour de la Pentecôte. Il fait beau, on est bien et j'ai décidé de vous présenter ma palle pour l'Asie, le challenge Lisons l'Asie proposé par Perfect Books Eva et dont je vous mettrai le lien dans ma description. Je cherche un petit peu les mots, c'est le soleil. J'ai décidé de vous parler en premier d'un petit livre à méditer de... Fallait que je la fasse, les aléas. Donc, c'est un petit livre à colorier, pense à méditer. C'est du Japon, là, ça concerne le Japon, et c'est publié aux éditions Marabout. Du moins à l'époque, parce que ça fait maintenant 2-3 ans que je l'ai en ma possession. Et ben, je l'ai retrouvé là récemment. J'ai dit, tiens, pourquoi pas le ressortir. Vous voyez, c'est des petites illustrations à colorier. Et juste à côté, vous avez les petites pensées à méditer. Donc, peut-être dans une prochaine fois ou sur... Qu'est-ce qui t'arrive? Ou sur mon Instagram. Désolée, je suis un petit peu... Il y a mon oiseau diurne là qui n'arrête pas de faire l'andouille. Ensuite, je vais vous parler... D'un premier manga que je vais lire. Je m'excuse auparavant. Et pas. J'en perds mes mots, désolée. Voici One Piece. Ce tome est offert. Et ce sont les éditions Glénat qui l'ont édité. Alors, si vous ne connaissez pas, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui veut devenir le roi des pirates et qui veut retrouver le trésor qui s'appelle le One Piece. En effet, le One Piece a été caché par son prédécesseur et je ne me souviens plus son nom, c'est Gold D. Rogers, je crois. Et en fait, quand ils l'ont attrapé, quand la marine l'a attrapé, il a proclamé alors qu'il était sur l'échafaud que celui qui voulait devenir roi des pirates à sa place devrait retrouver le One Piece. Il faut que vous sachiez que c'est une... vous partez, si vous voulez faire la saga, vous partez pour de nombreux tomes. Moi, je l'ai pris parce qu'il était offert, donc voilà, je sais que, bon, je vais l'apprécier. J'ai surtout vu l'animé qui passait à une époque sur la TNT, il me semble. Sur les chaînes de TNT, et on a, avec mon mari, on avait pris un coffret, je crois, un arc, parce qu'on l'avait loupé à l'époque de sa diffusion, donc pour compléter, on l'avait pris, et ça a de très très nombreux épisodes aussi. C'est une histoire sans fin, en gros, mais ça vaut le coup, c'est pas mal, pour ceux qui aiment la piraterie, et puis j'aime beaucoup l'ambiance aussi, c'est assez sympa. Et puis c'est du Eiichiro Oda, j'avais oublié de le dire. Ensuite, je vais vous parler d'un petit coffret que j'ai trouvé. C'est un coffret découverte, du moins c'était le coffret découverte qu'on me proposait au centre culturel de par chez moi. C'est chez Kiyun Édition, ça s'appelle Les carnets de l'apothicaire. Alors, comme je ne connais pas du tout, ce que je vais faire, et bon, j'en suis désolée par avance, je vais essayer de pas trop balancer ce qui est spoilant. Je pense vous lire les résumés des œuvres que je vais vous présenter. Voilà, je tenais à m'en excuser par avance, mais c'est vrai que ne connaissant pas trop, je préfère faire comme ceci plutôt que de vous dire des bêtises. Alors, ici, nous retrouvons Mao Mao, qui a 17 ans et qui a une vie compliquée. Formée dès son jeune âge par un apothicaire du quartier des plaisirs, elle se retrouve enlevée et vendue comme servante dans le quartier des femmes du palais impérial. Entouré de hauts murs, il est coupé du monde extérieur. Afin de survivre dans cette prison de luxe grouillant de complots et de basses manœuvres, la jeune fille tente de cacher ses connaissances pour se fondre dans la masse. Mais je ne peux pas vous dire la suite parce que ça va vous spoiler et d'ailleurs j'ai arrêté juste avant parce qu'apparemment l'intrigue va se dénouer comme ceci. J'ai trouvé que c'était de très très beaux dessins. Vous voyez, le coffret est super bien présenté. Voilà. Pour pas trop montrer le résumé non plus. Voilà. Et voilà.
Là, ce sont les trois premiers tomes, donc c'était un coffret découverte. J'ai dit, ben, pourquoi pas, j'en entends parler depuis tant et tant de temps, que je me suis dit, ben, moi aussi, je vais m'y lancer. Je crois qu'il y a un peu plus d'une dizaine de tomes. Je passe aux poches. Alors, celui-ci, qui va se passer au Japon, je devais le lire en mai, mais... je n'ai pas pu, malheureusement, parce que j'ai bloqué. J'ai fait un petit blocage sur un livre. Bon, j'arrive à le dépasser parce que j'ai réussi à avancer un petit peu. Et puis, entre-temps, j'ai appris une bonne nouvelle que je vous dirai certainement un peu plus tard. C'est « Les mémoires d'un chat ». C'est publié chez Babel. Et l'auteur, qui est une autrice, Hiro Arikawa. Je vous lis le résumé. Un chat de gouttière, au parler franc et rompu au langage des humains, a pris ses quartiers dans le parking d'un immeuble de Tokyo. Lui, qui pour rien au monde ne troquerait sa liberté, se fait un jour percuter par une voiture et se voit contraint d'accepter la perspective d'une cohabitation durable avec Satoru, un locataire qui le soigne et lui attribue un nom, Nana. Après, je pense que ça spoile un peu, donc... Ouais, je sais, je suis maudite, je suis méchante, je suis machiavélique, tout ce que vous voulez. Mais, voilà. J'espère arriver à le lire cette fois-ci pour l'Asie. Pour le lison de l'Asie, pardon. Ensuite, toujours au Japon. Elle et son chat de Makoto Shinkai et Naruki Nagakawa. Alors lui, c'est pareil, j'en avais entendu parler, je crois qu'il est même sorti soit sous forme de graphique, soit sous forme de manga. Je ne sais plus, il faudra que je me renseigne. Et là, par contre, c'est sous sa version poche chez Charleston. Alors, là, on retrouve apparemment un chat et sa maîtresse. Je vais juste vous lire la phrase d'intro qui est pas mal. C'était au début du printemps, par un jour de pluie. Ce jour-là, elle m'a recueillie. Depuis, je suis son chat à elle. Et apparemment, les histoires vont être assez... Comment dire? Assez percutantes, assez... Ben, un peu comme les mémoires d'un chat. Je pense qu'on va devoir sortir les Kleenex. Et donc, d'ailleurs, le Japan Magazine met un portrait à la fois critique et innocent de la société japonaise à mettre entre toutes les pattes. Donc, ok, le côté on pleure, je le loupe, ce côté-là. Mais sinon, ils mettent aussi que c'est un magnifique récit choral. Voilà, voilà. Nous passons à la Chine. Avec cette duologie, je pense que c'est qu'une duologie. Là aussi, pareil, je me renseignerai un peu mieux. C'est l'impératrice orchidée. Le tome 1 s'intitule La concubine. C'est donc de Han Chimin et c'est publié là chez J'ai lu. Et j'essaye de voir s'il y avait une autre édition. Apparemment, c'est chez J'ai lu et. Ah si. Apparemment, pour la traduction française, ça aurait été Flammarion. Mais là, c'est J'ai lu qui a pris pour le format poche. Je vous lis un petit peu du résumé. En vérité, je n'ai jamais été le cerveau de quoi que ce soit. Je ris quand j'entends dire que, dès mon tout jeune âge, s'affirma mon désir de gouverner la Chine. Quand la famille d'Orchidée arrive à Pékin, ruinée, la beauté de la jeune fille lui permet d'être choisie parmi des milliers de femmes pour devenir l'une des sept épouses de l'empereur Xianfeng. Sa force de caractère la pousse à résister à l'inexorable complexité du protocole de la cité interdite, ainsi qu'aux rivalités entre concubines, et elle devient la favorite de l'empereur. Alors que débute le déclin de l'Empire de Chine, une courtisane envoûtante et implacable étend son influence. De jalousie sentimentale en rivalité politique, de séduction calculée en coup d'état déjoué, Orchidée sera la dernière impératrice de Chine. Voilà pour le tome 1. Et bien sûr, je lirai aussi le tome 2 qui s'intitule La Souveraine.
Et là, ben, on a avancé, je lis très très succinctement, je ne vais pas vous le spoiler, vu que c'est un tome 2, je préfère pas, parce que bon, vaut mieux au moins qu'on ait déjà fait le tome 1 et que je vous fasse un retour dessus. Bon là, apparemment, ça a bien avancé dans l'histoire, et c'est un tome 2. Après, un autre livre de Han Ching-min qui s'appelle Perles de Chine. Toujours chez J'ai lu. Voilà. Et là, la phrase qui m'a vraiment fait aller vers le livre, bon, bien sûr, la couverture que je trouve super jolie aussi, mais c'est Mon crime était mon amitié avec Pearl Buck. Donc là, on va apprendre, je pense, ben, leur enfance et comment est-ce qu'elles vont évoluer. Ouais, voilà. Et en fait, ça trace le destin extraordinaire au cœur de la Chine qui s'éveille. Voilà. Donc, c'est aussi la fin de ma pile des poches. En espérant que je puisse tous les lire, parce qu'ils ont l'air vraiment hypants. Ensuite, pour les brochets. Alors, celui-ci, j'en ai entendu parler chez Séverine. Il est bien ce livre, dont je vous mettrai aussi le lien dans la description. C'est La leçon du mal de Yusuke Kishi est paru aux éditions Belfond. Alors, comment dire, ça a l'air d'être un joli petit pavé. Il me semble que j'ai vu un drama qui se rapprochait un petit peu de cette histoire. Donc, je vais vous lire quelques mots du résumé. De l'avis de tous, Seiji Azumi est le professeur le plus charmant, le plus séduisant, le plus charismatique du lycée Shinkogakuin de Machida. Adulé de ses élèves, admiré de ses collègues, apprécié de sa direction, le jeune homme est fin, drôle, toujours prêt à voler au secours des uns, à protéger les autres, à combattre les injustices et le harcèlement, à dénouer les conflits. Asumi, et tout cela est pire encore. Mais non, je vous dirai pas ce que c'est, parce qu'il faut le lire. Apparemment, ça a l'air d'être un bouquin assez costaud. Ils mettent rythme effréné, personnages détonnants, narration addictive, un roman sidérant. Par son envergure, par le phénomène qu'il a généré au Japon, par les thématiques qu'il aborde. Je sens que je vais bien rire. Et je vais beaucoup aimer. Merci en tout cas Séverine pour la recommandation et de nous avoir donné un petit aperçu de ce que c'était. Ça se passe au Japon. Le deuxième que je vais lire est qui est aussi japonais, c'est Haruki Murakami, Kafka sur le rivage. Toujours pareil, c'est Séverine qui en avait parlé. Et là, il y a une phrase, et une seule, pour la quatrième de couverture, c'est « Si tu te souviens de moi, cela m'est égal que tous les autres m'oublient. » Waouh, ça en jette aussi. Alors, on m'a dit que Murakami, il avait une écriture un peu spéciale, que bah, soit on aimait pas, bon. Après, il est vrai que ça faisait un petit moment que je voulais me faire aussi sa trilogie. Alors je ne sais pas, je m'excuse déjà pour les puristes, 1Q84, ce serait sa trilogie. Et je voulais la prendre, et puis je ne sais pas pourquoi, je ne l'ai jamais prise. Mais là maintenant, ça m'attire de plus en plus, et j'espère que je vais adorer Murakami. Après, nous passons en Chine avec Judy Yilin, Une magie teintée de poison, publiée chez Stardust. Voilà. Qui serait apparemment du Hugo Young Adult. Quand je regarde mes mains, tout ce à quoi j'arrive à penser, c'est ce sont elles qui ont enterré ma mère. Ning a perdu sa mère, celle qui lui a administré, c'est elle qui lui a administré sans le savoir. Un thé venimeux qui lui a été fatal et qui pourrait à présent être également mortel pour sa sœur Chou. Un jour, Ning entend qu'une compétition s'organise pour trouver le plus grand maître de la magie, du Shenong du royaume, un art ancestral de la préparation du thé, où ce dernier peut se révéler. Je suis vraiment désolée, je ne sais pas ce que j'ai dû bouffer quelque chose. Donc. C'est un art ancestral de la préparation du thé où ce dernier peut se révéler comme un catalyseur d'émotions ou encore une arme. Elle traverse alors le pays pour se rendre à la capitale.
Voilà, c'est un tome 1. Et je ne sais pas si c'est une, si c'est une duologie ou une trilogie. Mais il me tente de ouf. Et le dernier que je lirai, on part en Corée, c'est Min Jin Lee, La famille Han, qui est publié aux éditions Charleston. C'est son premier roman en fait. J'avais adoré Pachinko. Et là, c'est l'histoire d'une famille qui a été élevée, pardon, et je me fais agresser par les bêtes maintenant, qui a été élevée dans le Queens, dans le respect et la tradition de ses parents. Donc, je pense qu'on va voir un petit peu le portrait de la jeune femme qui cherche à s'affranchir de sa communauté, mais tout en faisant plaisir à ses parents. Voilà, c'est un gros bébé. Et il y a une lecture commune, normalement, chez Séverine, toujours, bientôt. Voilà, je termine ainsi ma palle de Lisons de l'Asie. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Salut les amis doux, c'est les amis doux. Ciao, ciao.